très saint. Tu as voulu que la croix de ton fils soit source de toute bénédiction. Sois-nous favorables, nous qui l'avons érigée comme le signe de notre foi. Non, là, tu peux pas faire râteau comme ça. Mais si. Mais non. Voilà, là, il est bon. T'as pas une mêlée à l'écrire. C'est bon. Louise. Oui. Ça fait longtemps. C'est ton fils. C'est le tien aussi. Pourquoi tu m'as rien dit? J'étais à Montréal quand je l'ai su. T'allais devenir prêtre. J'aimerais que tu reconnaisses Aloé à l'état civil. On peut dormir chez toi parce qu'il est nul l'hôtel. Hein? Ben non. J'ai des responsabilités ici. Les gens me font confiance. C'est ici où t'habites? T'as rien à faire ici. Elle est où ta mère? Tu comptais me le dire quand? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant? Enfin, Simon, il y a des règles à respecter. 11 ans que je fais tout pour lui, que je bosse comme une malade, là, au bureau, à la maison, hein, que je fais en sorte qu'il soit heureux. Pourquoi? C'est pas possible. Parce que je suis prêtre. C'est ma vocation. Pourquoi tout le monde t'appelle mon père? Et moi, je peux même pas t'appeler papa. Il est malin, ce gamin. Il a besoin de toi. J'ai consacré ma vie à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la volonté de Dieu. La paternité spirituelle des fidèles et l'éducation d'un fils est incompatible. Mon intérêt personnel aurait dû passer après celui du fidèle. Et l'intérêt d'Aloé? Avant ou après la communauté? Vous ne pouvez pas me forcer à cacher mon fils. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. Bon, on peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là. Alors... C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très, très, très proche, hein? Frères et sœurs, jour et nuit. Allez, va! Yo, putain! Qu'est-ce que tu fous, là, toi? T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi? Ça m'arriverait pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne. Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui Ludovic? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Je sais que le passé c'est passé, mais il y a qu'à toi que je peux me confier. Remonte. Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh les femmes! On vous emmène! Et ça fait clic. Clic, clic, pam, pam, pam. Ma chérie, t'es trop séduite. Ah, oh là là, oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. On n'a pas été beaucoup à l'école. On a travaillé à la petite ferme. Une retraite de militaire. Ben voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas été beaucoup payé. Je suis né en 20, plus de 100 ans. Voyez un peu. Vous voulez savoir si on fait l'amour tous les jours? Oh, bah. Chacun à sa place, jusqu'au dernier souffle. On a encore des choses à donner, des choses à faire, rien que d'être écouté. Mon père part un matin pour travailler et ne revient jamais. Ça a été la première rafle des Juifs. J'avais envisagé de donner mes organes à la science. Mais au bout d'un certain temps, mes organes, ils sont plus beaux. T'as accouché 40 non, femmes. Non, soignée. Sois pas sourde, hein, maintenant, t'es pas sourde. L'essentiel, c'est ce qu'on sait, les souvenirs. Nous, c'était le petit bal du samedi soir. La noblesse, c'est fini. C'était du tour des rois.
Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Non, on a beaucoup souffert à la mine. Moi, beaucoup de choses à raconter. On n'entend plus rien. Donc, ça permet de dire plein de conneries. Mon père était maire comédiste de Douarnenez. Et mon beau-père était gaulliste. T'as pas de sonotone. T'es pas comme Josette. Je vais ouvrir en hurlant. Elle a les lunettes, le sonotone et le dentier. Eh bien, j'ai dit, dis donc, quand t'as tout sorti, reste pas grand-chose, hein. Faire beaucoup de choses, hein. C'est lire, et c'est même écrire. Vous avez l'argent? Tu crois vraiment qu'il comprendra? Je le connais très peu, moi. Hein. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. C'est un peu tôt, non? Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Ah! Reste pas encore, s'il te plaît. Tu dois vivre ta vie de femme. Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite. Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux? C'est ça ta dot. Et le reste? J'ai besoin encore un peu de temps. Quel temps? Il n'y en a plus du temps. J'espère juste que vous soyez différent. Et moi que vous soyez comme les autres. La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est. Suffirait que je laisse pousser la mienne? Qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous allez faire avec vos têtes? Ça fait venir les clients. Faites pas ça. Ils vont vous humilier. Vous êtes belle, Rosalie. Je vous fais pas trop honte. C'est un enfant, vous, là. C'est pas un mari. Elle en a les couilles sous ses poils. Vous partez chez moi! J'ai jamais demandé ça à moi! Ça vous amuse bien, cette petite comédie? C'est pas une femme, ça.